Good morning, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat, François Vajib Ben Chana, Janine Ruth, Bad Fortuna, vous avez fait un Ben Shalom, et Ishaya Ben Linda, et Moshe Ben Solvanish. Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Maseret, P.A. Perek Dalet, Mishnah Yud, Eize Hu Leket, Annocher, Bishat, Aketira, Aya Kotser, Katsar Melo Yado, Talash Melo Kumtso, Ikao Kotz, Venafal Miyado Laaretz, Are Hu Shalba La Bait. Toch hayad v'toch hamagal la'aniim. Achar hayad v'achar hamagal le'ba'al ha'bayit. Rosh hayad v'rosh hamagal, Rabbi Shmuel Omer la'aniim, Rabbi Akiva Omer le'ba'al ha'bayit. On démarre dans notre Mishnah un nouveau sujet, le sujet du leket. Parmi les différents dons qu'il faut laisser pour les pauvres, on a parlé jusqu'à maintenant de la PA, c'est le plus essentiel. Et encore deux autres, c'est la shichecha et le leket. Leket shichecha ou PA. D'accord, ça a trois étapes différentes. La PA, c'est les 5 points de ton champ, tu ne le touches pas. Mais à part ça, il y a aussi dans la manière, lorsque tu vas accueillir et ramasser ton blé ou tous tes céréales, eh bien, il y a certaines choses qu'il faudra laisser aux pauvres. Des choses qui sont tombées, des choses un petit peu insignifiantes par rapport à toi, mais que pour le pauvre, c'est très signifiant, parce que s'il vient et qu'il ramasse un par-ci, un par-là, au bout du compte, il va réussir à se faire une baguette, et c'est important, il va pouvoir manger grâce à ça aujourd'hui. Et la Torah nous a imposé de laisser les quêtes et shichecha. On apprendra ensuite c'est quoi shichecha, pour le moment on s'intéresse à c'est quoi les quêtes. Je vous donne l'idée d'abord. Alors au moment, le principe est simple, au moment où tu cueilles ton blé, s'il y en a un qui tombe de ta main, pendant que tu as cueilli, ou qui tombe de ta main, ou qui tombe de ta fossile, il y en a un qui c'est un grain, un épi, une germe, ou même deux, on verra plus dans les détails après exactement combien, mais jusqu'à une ou deux, elles sont tombées de ta main, tu les laisses, c'est pas grave. Tu en as 50 dans ta main pour toi, c'est pas grave, ne fais pas le... Sois un petit peu... D'accord? Un ou deux, tu laisses, trois, tu as le droit déjà de ramasser. Mais si c'est deux, à chaque fois que tu viens, tu cueilles, et quand on cueille le blé, tu ramasses, il y a deux manières, peut-être que c'est important si je l'introduis tout de suite. Tel que je comprends de Michelin, hein, j'ai pas fait de recherche pour savoir comment ça marche, mais tel que je comprends de mes farchim, il y a deux manières, c'est soit tu attrapes une botte avec la main et tu arraches, ou tu coupes même, ou soit, il y a une manière de le faire de manière plus grossière, c'est que tu attrapes en t'aidant avec tout ton bras, et tu coupes en dessous, d'accord? Tu prends ta faucille, si elle est bien aiguisée, tac, t'as coupé, et dans ce cas-là, t'en as beaucoup plus dans les mains. S'il y en a un ou deux qui te tombent en route, ouais, il y en a un ou deux qui te tombent en route, donc tu pourras de nouveau, tu devras de nouveau les laisser. Ok? Maintenant on démarre la Mishnah, elle va m'expliquer plus dans les détails, on va parler de trois cas de figure. Ezeo Leket, qu'est-ce que c'est le Leket qu'il faut laisser? C'est quand le Leket, c'est l'ilkot, c'est cueillir. Anocher Bishat Ketzira, c'est ce qui tombe au moment où tu cueilles. Et là il va falloir donner l'ampleur, le maximum de signification au mot « au moment où tu cueilles ». Le principe, il est que c'est que si ça tombe, parce qu'au moment où tu cueilles, il y a une partie qui tombe. Mais si ça tombe autrement que de ce que tu es en train de cueillir, alors tu es dispensé de payer, de laisser ça. Ah, par exemple, Aya Kotser, il était en train de couper. Katsar Meloyado, il a cueilli une main pleine, il a pris avec sa main pour arracher ou bien pour couper, ou encore Talash Melo. Meloyado, il précise, mais franchement, on parle que c'est plus avec, pas que la main, mais c'est tout le bras en fait. C'est pas le comète. Il a attrapé comme ça bien avec sa main une bonne quantité, et il a coupé comme ça. Ou encore, Talash Melo Kumtso, ou bien il a arraché avec Melo Kumtso, avec les comètes. Le comète, c'est ses doigts. En attendant, c'est une quantité beaucoup plus petite. Ça implique juste la main elle-même. Et ce qui s'est passé, c'est que Ikaou Kots. Venafal miyado la aretz. Il y a eu une épine qui lui a piqué la main, et en réaction il a un petit peu rouvert sa main, et venafal miyado la aretz. Il y a eu quelque chose qui est tombé de sa main. Dans ce cas-là, areu shel balabait, ça appartient au propriétaire, ça n'appartient pas au pauvre. Pourquoi? Parce que de nouveau, c'est pas que c'est tombé pendant que tu étais en train de. Pendant que tu cueillais, tu as cueilli, et puis il y a une partie qui est tombée. Non, tu as cueilli, il n'y avait aucun problème dans ta cueillette. Il y a eu un autre problème qu'il y a eu, c'est avec une épine qui t'a surpris et qui a fait que tu as un petit peu relâché la prise de ta main. Donc du coup, il y a quelque chose qui est tombé. C'est pas tombé à cause de la cueillette, donc tu es dispensé de laisser le leket sur ça. Fin du premier cas de figure. Deuxième cas de figure encore. Alors là, on va te dire quoi oui et quoi non. C'est Toch Ayad, Vetoch Hamagal, la Nihim,
ce qui te tombe de l'intérieur de ta main ou de l'intérieur de ta faucille, alors c'est pour les pauvres. Par contre, acharaya, ce qui te tombe de l'extérieur de ta main, acharamagal, de l'extérieur de ta faucille, donc de ta faux, eh bien, les ba'al abayit, ce sera pour le propriétaire. Soit, on va prendre un exemple plus simple. Imaginez que le principe, il est en train de me dire, puisqu'on insiste sur le fait que ça te tombe pendant que tu cueilles, donc on s'intéresse à ce que tu es en train de cueillir. Mais si, pendant que tu cueilles, il y a eu une réaction sur quelque chose qui a été cueilli, que c'est tombé par terre, mais que ce n'était pas ce que tu es venu cueillir, tu seras dispensé. Ça, l'axiome, il est net. Donc plus précisément dans le cas, il est, c'est que toi, tu as pris une botte pour la cueillir, et tu l'as coupée. Maintenant, en la coupant, il y a eu aussi d'autres gerbes de blé qui ont été coupées avec ta faucille, parce qu'elles se sont un peu entraînées avec les autres, mais c'est pas ce que tu étais en train de cueillir, c'est un peu à côté, et puis suite à ça, elles n'ont pas été prises, parce que toi tu l'as pas saisie pour la cueillir, pour la couper, et donc du coup après, quand tu as pris ta botte, c'est tombé, mais achar ayad, de la face externe de ta yad, ou bien même de ton couteau, ouais, pendant que tu as rebougé ton couteau, pour le ressortir, tu as fait encore tomber d'autres, tu as coupé d'autres gerbes. Tout ça, c'est pas ce que tu es en train de cuire, donc tu es dispensé. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ta faucille. Elle est en demi-cercle. Donc, ce qui tombe de l'intérieur de ta faucille, ou ce qui tombe de l'intérieur de ta main, ça, c'est la PA interdite. C'est le quête que s'il tombe, il faudra laisser pour les pauvres. C'est clair? Mais pas ce qui tombe de manière indirecte, de l'extérieur de ta main. Imagine encore, j'ai pris une botte. Et puis il y a eu des blés qui sont collés de l'extérieur, et suite à ça ils sont venus, après ils sont tombés. Ces blés-là, ils n'ont pas été cueillis, ils ont été indirectement cueillis, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'interdit de les quête s'ils sont tombés. Je pourrais les récupérer moi-même pour si je voulais. Et dernière partie de la Mishnah, maintenant il s'avère que tu m'as donné deux formes. Tu m'as dit ce qui est dans ta main et ce qui est à l'extérieur de ta main. Imaginez maintenant ce qui est dans la fermeture de ma main ou ce qui est à la tête de ma faucille. C'est le cas maintenant, Rosh Ayad, la tête, le bout des doigts. C'est-à-dire qu'en fermant ta main, il y a une partie que tu n'as pas réussi à bien saisir comme il faut. Donc du coup, cette partie-là, elle est tombée. Ou encore, Verosh Amagal, ou bien la tête du Magal. On a dit dans le couteau, il y a ce qui est à l'intérieur, dans la partie incurvée, et puis ce qui est à l'extérieur. Ça a été coupé indirectement. Et qu'est-ce qui se passe si c'est la pointe elle-même qui a coupé? Ça s'appelle aussi Rosh Amagal, dans la tête de la faucille. Dans ce cas-là, ben, Rabbi Shimon va me dire l'anime. Rabbi Shimon me dit, ben, ça appartient au pauvre. Tant que ce n'est pas à l'extérieur de ta main, ce n'est pas à l'extérieur de ta faucille, ce n'est pas la partie externe, ben, même la pointe, elle est considérée comme la partie interne. Tandis que Rabbi Akiva Omer, les balabaïdes, Rabbi Akiva me dit, non, ça, ce sera pour le balabaïde, parce que ce n'est pas considéré que c'était ce que tu étais en train de cueillir concrètement. D'accord? On a compris l'idée aussi même de la fin de la Mishnah. Donc on s'intéresse à la limite exacte. Tu m'as dit, ce qui est à l'intérieur, c'est les quêtes, ce qui est à l'extérieur, c'est pas les quêtes, et ce qui est milieu, c'est exactement à la limite. Comment le considérer, c'est la croquette entre les deux. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de la Slachakol, tout ça.